C'est simple, quelqu'un va peut-être avoir un problème parce que j'ai pas parlé à quelqu'un de quelque chose dont j'aurais dû lui parler. Et maintenant, je dois le dire à ce quelqu'un et je ne sais pas comment. Enfin, est-ce que je dois le dire? Quel quelqu'un? J'ai rien compris. Et voilà. Pourquoi tu me fais rien? Ça fait des jours qu'on a évoqué le problème et toi, tu m'as dit que tu allais bouger. Tu t'es bougé? Tu m'écoutes? Ce truc que tu dois faire et qui peut passer quoi? Demander un service à mon père. Et qu'est-ce qui t'empêche? Si je vends mal mon affaire, il y a quelqu'un qui va se retrouver en camp de... pas concentration, comment ça s'appelle? Rétention. Zorica Velitskovic, à n'importe quel moment, au moindre contrôle, elle peut se retrouver dans l'avion. Qui va se retrouver dans l'avion? Personne. Entre nous, tu as des rapports simples avec ton père? Ben, j'ai des rapports simples avec personne. Et surtout pas avec mon père. De quoi il s'agit? Tu dois te soulager. C'était pas trop dur avec ton père? Vous avez l'air encore plus chiffonné que la dernière fois. J'ai été mieux. Putain, c'est pas possible, ça. Contrôle d'identité, présentez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Ah non, non, non. Sur la désordre. Mais j'emmerde vos ordres, moi j'emmerde la loi, je vous emmerde, c'est niette. C'est quoi cet esclandre? Tu crois qu'on peut rentrer ici comme dans un moulin? Ah, il faut que tu m'écoutes. Je ne peux rien faire. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et je développerai tout ça la prochaine fois. Ben, il n'est pas l'heure. Méditez là-dessus aussi. Vous avez encore de cette admirable, admirable glace au thé vert. Tout de suite, monsieur le président. Papa. Est-ce qu'il t'est arrivé de coucher avec des hommes? Oui. Ça fait de moi un homosexuel?